Eh hey, salut les amis, j'espère que vous allez bien les potos. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur PES 2019. Mais attention, 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 c'est pas une vidéo euh, comme les autres. On va pas parler de PES n'importe comment. On va parler d'un mode particulier, à savoir le mode fuma. Attention le mode fuma! Attention, là je vois dans vos yeux la crainte, la peur. Je vois la, la, la petite la petite goutte de sueur qui perle. Vous vous dites, oh là, oh là qu'est-ce que c'est que ça Il va nous parler de fuma, c'est trop compliqué. Non, top, calmez-vous les enfants. Avec le Lulu, on fait les choses simples. On fait les choses doucement, gentiment. Donc on va faire ça, pareil. Si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas le petit like et l'abonnement si c'est pas déjà fait. On est parti sur la vidéo. <music> Pour cette vidéo, je me suis fait assister de ce qui est, on va dire mon, mon bras droit, euh, mon, mon frère, mon poteau, mon Ares, mon poteau Ares. Et donc on a fait un match fuma tous les deux puisque je voulais que vous ayez un petit peu de gameplay pendant que j'allais parler puisque je trouve que c'est un petit peu chiant si vous voyez que ma gueule euh, pendant dix euh, minutes, euh, le, voilà à peu près. Donc on voilà, on a lancé un match, on s'est mis au hasard en Ligue 2, voilà, bah moi je suis tombé sur Bézier, lui il est tombé sur Niort, et puis on a fait un petit match en Fuma tous les deux. Euh, donc voilà, vous allez voir ce que ça va donner. Un match, euh, franchement, on a pris notre pied de ouf. Mais je vais pas spoiler, puisque je vais vous donner tout de suite mon avis sur le Fuma. Mais avant ça, les amis... La chaîne du poteau Ares est juste en dessous dans la description. N'hésitez pas à aller faire un tour, à vous abonner euh, si ça vous plaît. C'est un mec euh, en or, donc n'hésitez pas. à On revient au mode fuma. Déjà, qu'est-ce que le mode fuma Le mode fuma, en fait, c'est le mode full manuel. Ça veut dire que vous, avez, vous, vous désactivez toutes les assistances du jeu. Les passes vont se faire manuellement, aussi bien directionnellement que au niveau de la puissance. Ce qui veut dire que bah, si je veux faire euh, si j'ai deux coéquipiers à gauche et à droite et que je veux faire la passe au milieu, bah, c'est tout à fait possible. Ce qui n'est pas possible en futo mode full automatique, on va dire, hein, on va dire comme ça en assistant. Donc les bases, euh, c'est ça, le fuma, c'est ça. Pareil pour les frappes. C'est-à-dire que si vous ne dirigez pas vers le but, votre, votre, votre tir, il peut finir en touche. Donc ça, c'est un peu marrant. C'est un peu marrant. Au niveau de la défense, euh, ça ne change pas grand-chose. Ça ne change pas grand-chose, euh, à part la sélection euh, des joueurs qui est un peu différente. Et encore, franchement, on s'habitue très vite. Alors, c'est grâce à M. Quinton, hein, le poteau M. Quinton, qui est très connu dans le milieu, euh, tout ce qui est milieu euh, PES. Et surtout, euh, notamment Fuma. Puisque lui, c'est un, un vrai adepte du Fuma. Et il m'a invité à faire un match avec lui. Alors, je vous avoue franchement que j'avais un très gros a priori. Hein, puisque moi, euh, je viens de FIFA. Je suis venu, je suis arrivé sur PES bah, euh, fin août, puisque le jeu... Euh, PES 2019 est sorti fin août euh, et ça faisait euh, 10 ans que je n'avais pas touché un PES. Je prenais mon pied, je kiffe, hein, je kiffe ce jeu, vous le savez, j'en fais plein de live plein de vidéos, etc. Et il m'avait proposé de faire un match fuma. J'ai dit d'accord, j'ai dit d'accord, mais euh, franchement, pff, ça ne me chauffait pas plus que ça. Je me suis dit, attends, le truc, tu vas faire des passes, ça va partir n'importe comment. Le match, il va être tout claqué, tout dégueulasse, il ne va pas y avoir d'occasion. Euh, je vois pas l'intérêt, tu vois. Et eh ben, et eh ben, et eh ben, j'ai dit de la merde. C'est de la merde ce que j'ai dit, puisque c'est tout le contraire. Tout le contraire. D'une, c'est pas compliqué. Franchement, c'est pas dur. C'est pas dur. C'est pas dur. Je répète trois fois, ce n'est pas dur. Une fois que vous avez compris qu'il faut juste orienter le joystick dans, à l'endroit où vous voulez faire la passe et à l'endroit où vous voulez tirer, franchement, il n'y a rien de compliqué, les amis. On n'est pas bugno, on sait viser. Au niveau construction, bah, c'est pareil, vous pouvez faire de très belles constructions. Y a, y a, y a, la seule chose qui va différer c'est que ça va pas être possible de faire euh, les, le, le, petit, euh, le petit billard, tac, 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 tac avec les passes qui partent dans tous les sens, qui arrivent dans les pieds. Ça peut être possible si tu es vraiment très fort en fuma. Mais euh, voilà, c'est ce qui se rapproche vraiment le plus du vrai foot, je trouve. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'au niveau construction, ça vous oblige à réfléchir complètement différemment, puisque en mode normal, je vous dis, hein, soit la passe elle va sur le joueur, il y a un rail, il hein, y a un rail, soit elle va sur le joueur soit elle va dans la profondeur. Mais dans la profondeur, il y a un rail également, c'est-à-dire qu'elle va aller dans la course du joueur. Voilà, dans la profondeur, en direction du but. Là, vous pouvez faire des balles en profondeur, par exemple, dans la diagonale. Vous allez faire la balle, la passe qui va être juste devant votre joueur pour, par exemple, éviter un autre joueur sans forcément lui faire une balle en profondeur longue. Les passes en retrait. Si vous les gérez en fuma, elles vont aller vraiment en retrait. Elles ne vont pas aller en futo. Combien de fois ça m'arrive Je déborde sur le côté de la surface, je fais la passe en retrait. La passe, elle arrive... Elle, 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 elle vise un joueur, donc elle est dans le rail du joueur. S'il y a quatre adversaires, et ben, même s'il y a un mec en retrait qui est tout seul, ça ne lui fera pas. Là, en fuma, si vous gérez bien, ça arrive sur le mec en retrait. Bon, après, il faut gérer son tir. Ça, c'est autre chose. Le plus gros conseil que je peux vous donner, les amis, c'est d'essayer. Essayer, essayer. Et attention attention, faites pas la connerie les mecs, vous dites pas, bah attends, il a dit d'essayer, allez, je prends mon, mon équipe MyClub, euh, je suis à 600, 700, 800 points, paf, je vais faire un match en me mettant en fuma, non, bah là, ça n'a aucun intérêt, tu vas prendre une pété, tu vas pas prendre de plaisir, non, ce que tu fais, soit tu trouves un pote, soit tu trouves un pote qui joue en fuma, tu te dis, tiens, on va tester en fuma, comme moi avec Arès. vous voyez, Arès c'est pareil, il est comme moi, euh, il, il kiffe fuma, euh, même si ça fait pas longtemps qu'il s'y est mis, il, il m'a dit qu'il kiffe, donc voilà, on se fait un petit match, tu prends du plaisir. Si tu cherches quelqu'un, si tu cherches un joueur pour jouer en fuma, bah tu vas sur le site, je vais mettre dans la description, ça s'appelle profumasoccer.com. De là, tu peux rejoindre le Discord et il y a des mecs qui sont là pour faire des amicaux. Voilà. Ou alors, dernier petit conseil pour se lancer vraiment dans l'expérience fuma, tu te mets en division en ligne. Alors moi, je ne fais jamais de division en ligne, ce qui fait que je vais être classé vraiment, euh, je crois que c'est div12 quand tu commences, donc en bas de l'échelle. Et puis tu vas essayer de grimper petit à petit. C'est d'ailleurs ce que fait M. Quinton en live et ce que je trouve excellent, les amis. Donc, franchement, euh, testez, vraiment essayez. Euh, ça ne coûte rien, ça coûte rien, les amis. Les réglages, si vous souhaitez voir les réglages, bah, de toute façon, vous désactivez tout, vous, mettez, euh, vous, vous désactivez toutes les assistances euh, en, en, en passe, vous mettez en manuel. Monsieur Quinton a fait une vidéo aussi pour vous expliquer comment jouer en fumée avec les réglages, etc. N'hésitez pas à aller la voir, je ne vais pas refaire la même chose, ça ne sert à rien. Donc voilà, les amis, vraiment, n'hésitez pas à tester. On fera, je ferai sûrement des lives en fuma, Alors là, c'est sûr, je vais faire des lives en fuma, je prends tellement de plaisir. En fuma que je vais faire des lives en fuma peut-être une fois par semaine euh, d'ailleurs très certainement le mercredi après-midi fera ça des petits des petits lives en fuma en, en du coup en division en ligne on fera des petits matchs donc j'espère les amis que je vous ai donné au moins l'envie d'essayer et attention attention euh, attention ne dites pas que le futo c'est de la merde quand vous êtes pro fuma s'il vous plaît et ne dites pas que le fuma c'est de la merde sans avoir essayé les amis je dis ça pour mes amis qui sont vraiment, il y en a qui sont vraiment hardcore du Fuma. Euh, ne dénigrez pas le FUTO, parce que pour moi, si vous dénigrez le FUTO, dans, même, dans le même temps, vous dénigrez PES, puisque la majorité des gens qui jouent à PES sont quand même sur le FUTO, donc Auto, et les nouveaux joueurs sont tous sur le FUTO. Et qu'est-ce qu'on veut Qu'est-ce qu'on veut On a le même objectif, c'est que ce jeu soit le plus joué possible. Plus il y aura de joueurs casual à PES, bah plus ça ramènera potentiellement du monde sur Fuma. Et je trouve que ceux qui disent, qui critiquent tout le temps futo, qui disent que c'est trois assisté, que c'est de la merde, etc. et ben, pour moi, ils desservent le fuma, puisque du coup, ben, ils n'attirent pas les nouveaux venus. Et qui dit pas de nouveaux venus en futo dit forcément pas de nouveaux venus en fuma, comme moi, comme Arès, etc., etc. Les amis. Bref, c'était la petite aparté du Lulu. Je vous fais des bisous, mes petites merguettes. Je vous aime fort. Coeur sur vous. Et puis du coup, eh ben, euh, les mercredis après-midi pour des lives fuma, les amis, sur la chaîne Twitch bien sûr. 走。